Richard Orlinski, si vous ne le connaissez pas, c'est lui, le sculpteur des stars qui est aussi DJ. Sur ses réseaux sociaux, on le voit aux côtés de nombreuses personnalités comme Nabila, le footballeur Kipembe, ou encore Chris Brown et le couple de rappeurs The Offset et Cardi B. Mais c'est surtout un artiste généreux avec la sphère politique à qui il envoie de nombreux cadeaux qui sont soit ses œuvres, soit des produits dérivés, soit des collaborations avec des grandes marques comme le révèlent nos enquêtes. L'artiste envoie des cadeaux à tout le monde, de Brigitte Macron à Marlène Schiappa, en passant par Alexis Kohler ou encore les maires de Paris et de Nice, Anne Hidalgo et Christian Estrosi. Mais là où ça pose question, c'est quand les maires de Paris et de Nice reçoivent des cadeaux alors qu'ils passent des contrats ou des partenariats publics avec le sculpteur. Tu es Estrosi, bonjour, Bérénice Gabriel à Mediapart. Je voulais vous poser une question, c'est pas un peu problématique de recevoir des cadeaux d'un artiste et de signer des contrats de 169 000 euros d'argent public environ ?